comme ça, les amis, on dirait une voiture normale, pas très puissante, juste vers la normale. Et ben non, détrompez-vous, comme vous avez pu voir dans le titre, nous sommes avec une Lamborghini Gallardo. Voilà, bonjour tout le monde, c'est Gaël, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur City Car Driving, un nouveau test de mode avec une grosse voiture, la Lamborghini Gallardo. Elle fait environ, il me semble, si je dis pas de bêtises, entre 500 et 550 chevaux, je crois qu'elle s'origine vers les 550, enfin je sais plus, voilà, honnêtement je sais plus, mais c'est entre 500 et 550 chevaux, voilà, soyons à peu près clairs. C'est du V10 normalement, si tout va bien, c'est la même production, donc pas de soucis, voilà, c'est du V10, donc c'est de la puissance pure. Ça a été vendu à 6000 et quelques exemplaires, je crois, ça commence bien. Hop, ça commencera très bien. Et vous m'avez demandé, les amis, de pousser les rapports à maximum pour le prochain épisode. Enfin, en tout cas, pour cet épisode. Donc, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser carrément beaucoup les rapports. Ça commence. Ok, vous voulez jouer comme ça, les gars. Ok, ça va pousser les rapports. Et on passe, les amis, en vue donc de devant pour vous montrer un petit peu tout. Vu qu'il y a un petit galaxien, un galaxien tout court, hein, qui m'a demandé de montrer tous les côtés de la voiture. Donc voilà, vous pouvez voir d'en haut. Vous pouvez le voir de vue intérieure, de vue devant, donc il bug un petit peu parce que c'était un petit peu dézoomé, vous voyez, c'était comme ça à la base. Donc du coup faut l'avancer un petit peu, faut même si possible, si je dis pas de bêtises, le baisser, non le baisser comme ceci, ou je ne sais pas, voilà, vous démerdez pour ne pas qu'il y ait la bande noire qui vous gêne vraiment beaucoup. Voilà, donc à vous après de mettre comme vous voulez. Donc voici l'arrière, voici le devant, et voici la vue d'oiseau à la GTA. Et on passe, les amis, en vue intérieure, c'est parti, on pousse les rapports. Et là on peut voir direct que la voiture est bien plus puissante que ce que j'avais avant, même si la Audi était déjà pas si mal que ça à l'épisode précédent. Donc ouais, c'est vrai que là, franchement, on sent la différence. Donc on va ralentir un petit peu, les amis, quand même, parce qu'il y a feu rouge, quoi. On va tenter de respecter un minimum le code de la route. Tiens, stop en plus. Voilà. En tout cas, l'intérieur de ce véhicule, vous pouvez voir, est vraiment super bien fait. Alors, je trouve que l'intérieur est bien respecté. Hélas, tout comme l'Audi, le GPS n'est pas activé. Alors moi, j'aurais aimé qu'il y ait une sorte de petite animation pour le GPS. Je pense que ça aurait été plutôt sympathique. Alors, nous en sommes où? Sévère. Oula, autant pour moi. Voilà, là, vous vouliez que je pousse les rapports, je les pousse. Magnifique. On est où? On est toujours en deux, d'accord. Il y a un problème. Ah, gros point. Tant pis. Ah, pas sourd. Voilà, c'est pas grave. Bon, vous n'avez rien vu. Vous m'avez demandé au pire de faire bouger les rapports, donc c'est ce qu'on fait. Allez hop, on fait bouger à mort les rapports, on est en 5ème. On est à fond, donc je suis à combien en vide, je sais pas. 182, bon. Écoutez, on est plutôt bien alors. Tranquillou. Alléluia. Allez. Zut. Ah d'accord. Ok, vous avez vu. Alors là, en vrai, si un panneau comme ça arrête une Gallardo aussi facilement, je peux vous assurer que c'est Zarbi. Allez, on peut y aller, on passe sous le tunnel. Et donc, ouais, vraiment une voiture très puissante. Hein. Allez, je vais monter un petit peu les rapports. Ah, là, on arrive, attention, je crois qu'il y a une intersection. Non, non, c'est juste un petit tournant. Ok, alors c'est vachement dur à contrôler, mine de rien, parce que à peine on tourne, les amis, le volant, regardez, à peine on tourne, la voiture elle tourne, et à peine on accélère, la voiture accélère, donc c'est pas évident. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais vous parler d'une petite chose, donc qui va se passer très bientôt, même peut-être aujourd'hui, je ne sais plus, on verra, sur la chaîne Multi Gaming. Alors surtout, je fais un petit peu de promo pour la chaîne Multi, parce qu'il va y avoir beaucoup de nouveaux jeux, tels le Let's Play Live, les amis, de Saints Row, donc le premier, ensuite on passera au 2. Je ne sais pas si on aura le temps de faire le 3 avant le 4. Tout ce que je sais, c'est qu'on aura le temps au moins de faire le premier, voire le 2. Et ce serait vraiment pas mal, même si les jeux sont quand même assez longs, hein, il faut l'avouer. Donc du coup, ça va être un petit moment. Donc en live, pas de problème, donc on verra. Alors le premier, c'est sûr que je le fais, c'est tout rouge, c'est pas grave. Le premier, les amis, c'est sûr que je le fais. Par contre, le deuxième, on verra si je peux le faire en multijoueur avec, avec Pico en live. Si jamais on peut, on le fera. Si on peut pas, on le fera pas. Alors également pour les prochains jeux, je vous l'ai dit dans la chronique du routier. Si vous avez suivi un petit peu, ce sera donc 704. Fin août, il y aura Splinter Cell Blacklist et il y aura également c'est même sûr, Rayman Legend. Ouah, tourne. Waouh, mauvais Galax, très mauvais. Pourquoi les routes sont bloquées? C'est nul. Alors oui, vous étiez nombreux aussi à me dire dans la vidéo précédente. Oui, mais Galax, tu lui dis que tu nous montres la carte, donc la petite map qu'il y a pour le jeu, pour voir un petit peu les routes que l'on emprunte, et on la voit pas parce qu'il y a ta caméra. Et bah oui, effectivement, il y a ma caméra, donc du coup, vous avez demandé que je la mette à gauche, en haut à gauche. Alors écoutez, en haut à gauche, au niveau de l'affichage du jeu, ce n'est pas possible, puisqu'il y a déjà, vous voyez, le compteur de vitesse avec les rapports, etc. Donc pour moi, on ne peut pas, c'est pas possible. Voilà, honnêtement, c'est pas possible. Voilà. Allez, ce que je propose, c'est qu'on se gare un coup et on va changer de biome. Non, on va changer de... Comment dire, plutôt de... Hop, on va en arrière, comme ça, et on va se garer. On va changer de temps de l'après-midi, voilà. Hop, on éteint, magnifique.
on met la ceinture. Énorme. Et on éteint le moteur et on met le frein de parc. Voilà, là on est bien, on a tout mis. On a tout mis. Regardez, hop, on voit même les petits. Les petites lumières, frein de parc, batterie, etc. sur le tableau de bord. Allez, on quitte cette session et maintenant on va aller dans une, on va dire, un petit peu le soir ou la nuit plutôt, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, véhicule. Véhicule, donc on a celui-là. Niveau couleur, on a uniquement le jaune, par contre, avec ce véhicule téléchargé. Encore une fois, je vous mettrai le lien de téléchargement dans la description de la vidéo, comme d'habitude, hein, je vous les mets à chaque fois. Donc au niveau du time and weather, on va mettre du clair parce que le reste fait bugger la capture. On va passer en night, c'est bien sûr la nuit pour voir un petit peu ce que ça donne. On va bien sûr augmenter un petit peu le trafic parce que vous voyez que c'était à 10%. On m'avait demandé de mettre un petit peu moins de trafic. Là, on va mettre par exemple à 70, usual trafic donc normal et à 50. Voilà, bref, c'est parti. Hop, ouh, un petit peu de nuit. Alors, bien sûr, ça va laguer un petit peu. Je ne sais pas si de nuit ça lague mieux plus que de jour, on verra bien. Et puis, oui, surtout, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne gaming. Il y aura vraiment énormément de jeux à venir. Principalement, je sais que beaucoup de monde l'attendent. GTA 5, Saints Row 4, Watch Dogs. Voilà, il y aura aussi du Rayman Legend, Rayman Origins, etc. Vous allez voir, mais beaucoup, beaucoup de contenu par la suite. Donc vraiment, allez-y, vous ne serez pas déçus du contenu qu'il y aura. Ah, d'accord, vous avez vu ce que ça fait de nuit? C'est carrément moche. Je sais pas si c'est fait exprès. C'est peut-être un effet qui est fait exprès, mais honnêtement, c'est pas beau. Honnêtement, on dirait, je sais pas, du... Ouais, non, je sais pas si c'est... Je trouve ça un peu mal fait, en fait. Voilà, ok. Alors, on va tourner là, comme d'habitude. Ah, j'aurais dû prendre un autre parcours. Tant pis, bon, c'est pas grave. Okay, on va rester là-dessus. Tant pis, sauf qu'on va juste essayer d'aller à un autre endroit. Si c'est de faire du tout-terrain, je ne sais pas. On va juste essayer d'aller à un autre endroit. Donc, oui, je vous confirme, quand il fait nuit, ça rame un peu plus, ça. Je vous le confirme vraiment. Allez, donc, on va essayer d'aller. Vous savez, on était allé au terrain d'entraînement, mais aller un petit peu plus loin, en fait. Allez, bougez-vous. Et donc, oui, je vous disais, je voulais faire des lives sur ce jeu. Le truc c'est que ça risque de laguer assez sévère. Alors déjà qu'en capture ça lag, je ne sais pas, peut-être qu'en live remarque ça lagera peut-être moins. Ça c'est la question que je me pose vraiment. Bon allez bref, on va couper. Ça me saoule un peu. Hop, pardon messieurs. Oh là là, oh là là, oh là là. Qu'est-ce que je fais? Nom de Dieu. Nom de Dieu, my god. Je ne sais pas conduire. Ah, oh là là. Mon Dieu, vous allez vous foutre de moi dans les commentaires, c'est obligé. Oh mon Dieu. Mais au moins je n'ai pas calé hein. Non mais alors, en fait, je voulais faire style que je faisais pas d'accident quand j'étais pas en vidéo. Mais en fait, honnêtement, je vais être franc avec vous, je fais que ça. Je fais énormément d'accidents parce que je ne respecte pas du tout le code de la route. Pas comme dans la vraie vie hein. Complètement pas. Donc voilà, c'est vrai que c'est un petit peu chaud. Ah, il y en a une qui a crié, parce qu'il s'est fait toucher. Ok, pas grave, moi j'y vais moi hein. Pardon messieurs, non. Allez, oh la famille. Oh la famille, mais bloqué avec ta force focus. Allez, go, 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 go. Allez, nom de Dieu. Oh, bonjour, bonjour madame. Oh merde. Oh merde. Ok, bon, je crois que c'est un petit peu... Ouais. Je peux pas y aller. Pardon, monsieur. Madame, madame, madame. Ah, j'ai calé. Nom de Dieu. Là, voilà, pardon. Tant pis. Allez, on y va. Troisième, direct, je fais 1-3, comme avec le camion. N'importe quoi. Hop, oulala. Voilà, et on va tourner ici au test tracks. Voilà, et on va finir là-dessus. Oh, c'est vachement dur. Donc oui, je le disais, je récapitule un petit peu. Le véhicule, c'est une Lamborghini Gallardo, les amis, parce que j'en ai pas assez parlé, pour selon c'est un test de mode. Voilà, on peut voir un petit peu le véhicule. Donc c'est très très joli, mais l'intérieur est un petit peu étrange de nuit. Regardez, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Bon, en tout cas, c'est mal fait. Hein. Voilà. Bon. Alors, est-ce qu'on peut activer les feux? Par contre, ça m'inquiète. J'ai pas les feux d'activer. C'est pour ça que je vois rien, nom de Dieu. Setting. Setting, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a les feux? Contrôle, Next Gear Engine. Regarde un petit peu au niveau des trucs. Boost Mode. Boost Mode. Ah, je sais même pas ça. Light. Light. Hazard Light, Parking Light, apparemment. Oui, on les a. Alors, attendez. Où c'est? Non. Oui. C'est pour ça. Attendez, voilà, maintenant, c'est éclairé en blanc. Ah bah, je préfère. Déjà, je préfère. Voilà, on va pouvoir rerouler, magnifique. Ah, je me disais aussi. Donc, on va passer en stop, voilà, hop, petit démarrage en côte. Yeah, let's go. Vraiment, oh, c'est tranquille, démarrage en côte dans ce jeu. Alors oui, j'ai eu un petit commentaire qui m'avait été fait sur Euro Truck. On m'avait dit, parce que dans la dernière chronique, j'avais dit que j'avais un petit peu de mal avec les démarrages en côte. Alors, je précise quand même, en voiture, pas vraiment, ni en camion, bon. Je vous ai dit ça, en fait. C'était... Oula.
C'est simplement que je voulais dire, en fait, je me suis mal exprimé. Je voulais pas dire maintenant j'ai des problèmes de démarrage en côte. C'est au début, quand j'ai commencé la conduite à l'école, j'avais des problèmes de démarrage en côte, mais plus maintenant. Voilà, maintenant j'ai aucun problème avec la conduite, rien du tout. Voilà, après, les démarrages en côte, c'est comme tout, c'est juste faut s'y faire, et puis quand tu t'y es fait, quand t'as appris, c'est comme tout, hein. C'est comme faire une vidéo, commenter une vidéo, quand t'as appris, après, bon, ça passe tout seul. Enfin, après, il y a différents trucs pour commenter une vidéo, il y en a qui commentent tout en faisant pas vraiment attention à la précision, comme moi, et t'en as qui font attention à tout, et dès qu'ils font une petite erreur, ils recommencent leur vidéo. Moi, honnêtement, ça m'embête hein, de recommencer 20 fois les vidéos, donc je vous dis pas que je le ferai jamais, hein. Mais par exemple, je fais un test vidéo, c'est sûr que si je dis conneries, ou si je traînasse comme je fais là, bah écoutez, je referai le test. Mais là, on est là pour vraiment on est là pour un test de mode, mais c'est pas un test vidéo, un test de jeu, un truc très précis, c'est vraiment là une petite balade quoi sur Sticker Driving. En tout cas, c'est vraiment génial, elle marche super bien, elle est super rapide. Donc je vous le rappelle, Lamborghini Gallardo entre 500 et 550 chevaux. Je crois même avoir lu 570 chevaux, je crois, sur le descriptif du jeu. Mais ça, j'ai un petit peu de mal à y croire. Voilà, année de production. Après, il n'y a plus les lumières, zut. Année de production, je crois que c'est à partir de 2003, si je dis pas de bêtises. Vendu, plutôt produit à 6000 exemplaires, un truc comme ça, donc c'est pas énorme. Voilà, bon, il y a encore plus rare, hein, mais c'est déjà. Déjà quand même assez peu. Et donc voyez, voilà, c'est un V10 hein, très très puissant. Alors apparemment on passe de 0 à 100 km/h, t'abuses, on passe de 0 à 100 km/h les amis en 3,8 secondes, si je dis pas de conneries, il me semble bien. Bon, comment je fais pour avancer? Ah, tu m'as compris. Voilà, attention là, ça tourne vraiment beaucoup là, ça tourne vraiment beaucoup. Bref, bah écoutez, voilà, moi je crois que je vous ai tout dit un petit peu sur ce véhicule, le Lamborghini Gallardo. En tout cas, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à aller venir faire un tour sur la chaîne Multi Gaming pour avoir plein de let's play sympathiques avec Pico et moi en solo également, ou peut-être même avec d'autres personnes par la suite en multi sur GTA 5, tant jamais. On verra bien. Et puis, voilà, voilou, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et en tout cas, portez-vous bien et surtout, n'hésitez pas à télécharger la Gallardo qui est dans la description. Très très belle voiture, hein, mine de rien, qui vraiment avance assez vite. Qu'on peut dire. Allez, salut tout le monde et à la prochaine. Bye bye. Everything is never as it seems.